Au lendemain de son arrestation, Salah Abdeslam a été inculpé pour meurtre terroriste et participation aux activités d'un groupe terroriste. Un complice, arrêté en même temps que lui, a été inculpé des mêmes chefs d'accusation. Un peu plus tôt dans la matinée, Salah Abdeslam avait été interrogé par les enquêteurs belges. Salah Abdeslam devrait rapidement être extradé vers la France. Mais comme une extradition peut prendre quelques semaines, il pourrait être envisagé une autre procédure appelée « remise », plus rapide. L'avocat du terroriste présumé a d'ores et déjà affirmé que Salah Abdeslam refusera son extradition. L'homme a été arrêté vendredi dans la commune bruxelloise de Molenbeek. Dans l'assaut, il a été légèrement blessé à la jambe. Salah Abdeslam a sans doute passé ses 4 mois de cavale dans ce quartier, dont étaient originaires plusieurs djihadistes des attentats de Paris.